permis à M. le ministre de faire le point de l'exécution de ce projet ambitieux à fin mars 2020. Nous sommes ici le 16 septembre 2020 pour permettre à M. le ministre, par parole du gouvernement, de faire le point de l'exécution de ce projet à fin juin 2020. Et pour cet exercice important, nous avons, M. le ministre, vous aurez à votre côté, les experts. Nous avons donc M. Yapo Tali, directeur général adjoint de l'Agence des routes. Nous avons Dr. Suleiman Fadiga, directeur général de la lutte contre la pauvreté au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté. Nous avons M. Bongé Kiasiba, directeur du logement au ministère de la Construction du logement et du l'urbanisme. Nous avons Mme Abbé Sophie-Thérèse, directrice cabinet de la coordination projet point focal donc du PSD au ministère de l'Hydraulique. Et nous avons Mme Kone Karija Bamba, qui nous vient donc de la Caisse nationale d'assurance maladie et la directrice affiliation. Et c'est le cas, nous aiderons donc à apporter des éléments de réponse. Mesdames et messieurs, ceci étant précisé, nous allons donner la parole dans les minutes, les secondes qui suivent à monsieur le ministre de la Communication des médias pour son propos liminaire. À la suite de son propos liminaire, vous prendrez la parole pour vos questions. Les experts pourront apporter des éléments de réponse. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs les experts, merci beaucoup de votre disponibilité. Vous voudrez bien transmettre à vos différents mandants, mes collègues, les différents ministres, d'avoir accordé votre présence ici auprès de nous dans cet exercice désormais périodique qui permet de faire la situation de l'exécution du PSGOV, le programme social du gouvernement. Et j'apprécie d'autant plus votre présence puisque cela s'organise à la suite d'une notification très courte. Je crois que c'est pratiquement ce matin, sinon hier au plus tôt, sinon ce matin que vous avez été pour la plupart informés et j'apprécie, je suis très sensible à cette disponibilité. Merci encore de votre présence. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, chers collaborateurs, membres du cabinet, monsieur le chef de cabinet, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous trimestriel devenu traditionnel. Comme vous le savez, depuis plus de 9 ans, sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement est au travail pour le bien-être et le bonheur de nos concitoyens. Institué depuis fin 2018, le programme social du gouvernement PSGOV qui se décline en 156 actions, dont 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement et de renforcement de l'action sociale pour un budget de 1008 milliards de francs CFA, a permis de réaliser d'importants progrès. Aujourd'hui, grâce au leadership du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, des villages sont électrifiés, des voies sont ouvertes et bitumées, et des écoles sont construites, des châteaux d'eau aussi, et l'espoir prend place dans les endroits où régnait depuis longtemps le désespoir. Cet engagement affirmé du gouvernement reste infaillible face à la crise sanitaire qui a incontestablement bouleversé la marche du monde, changé les habitudes et les usages. En effet, nourri et profondément motivé par la volonté d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, l'équipe gouvernementale est restée mobilisée sur le terrain, toujours à la tâche pour réaliser des projets structurants conformément aux 5 axes stratégiques du programme social du gouvernement, à savoir la santé pour tous, l'éducation pour tous, la réduction de la pauvreté par l'accès aux services essentiels, l'autonomisation des jeunes et des femmes, le bien-être des populations en milieu rural. Mesdames et messieurs, plusieurs résultats ont été enregistrés au cours du premier semestre de l'année 2020. Ainsi, au titre du volet éducation, pour l'année 2020, le volet éducation du PSGOV comprend 2 projets majeurs, à savoir l'acquisition et la distribution de 225 000 tables bancs, dont la passation des marchés est en cours, et le démarrage de la construction
et de l'équipement de 95 collèges de proximité au titre du CDD, dont les marchés ont été signés pour 78 collèges et les travaux ont déjà démarré. En plus de ces deux activités, il a été procédé à l'approvisionnement des cantines scolaires à travers la distribution de 1401 tonnes de vivres pour 613 cantines scolaires et 1500 tonnes de vivres en faveur de 134 527 élèves dans cette région que sont la Bagoué, le Poro, le Tchologo, le Boukani, le Gontougo, le Kavali et le Bafing. Rappelons que durant l'année 2019, le PSGouv a permis le recrutement de 10 300 enseignants et l'acquisition de 186 000 tables bancs. Au niveau de l'accès à l'électricité, les réalisations à fin 2020 en matière d'électricité se résument comme suit. En ce qui concerne l'électrification rurale, 401 localités ont été électrifiées au titre du premier semestre 2020, portant à 1330 le nombre total de localités électrifiées de janvier 2019 à fin juin 2020. Malgré la COVID-19, le taux de couverture nationale est ainsi passé de 69% à fin 2019 à 73,6% à fin 2020. Il était, il faut le rappeler, de 33% en 2011. Au niveau du tarif social, le nombre total de clients ayant bénéficié du tarif social de janvier 2019 à fin juin 2020 est de 1 214 354, dont 205 501 clients au titre du premier semestre 2020. Les bénéficiaires ont pu réaliser des économies globales de 6,645 milliards de francs CFA de janvier 2019 à fin juin 2020, dont 2 milliards de francs CFA, dont 2 700 de francs CFA au titre du premier semestre 2020. Au niveau des branchements des PEPT, ce sont au total 115 979 branchements qui ont été réalisés au premier semestre 2020, soit 318 997 branchements en cumul de janvier 2019 à fin juin 2020. Notons qu'en 2019, ce sont 919 localités qui ont été électrifiées dans le cadre des travaux d'amélioration de l'accès à l'électricité. Dans la même veine, le gouvernement a permis à 1 million de ménages de réaliser des économies équivalentes à 3 milliards de francs CFA au titre de la baisse du tarif social de 20% et à 203 018 ménages de se raccorder au niveau de l'électricité à 1 000 francs CFA grâce au programme Électricité pour tous, PEPT. Au titre du renforcement du programme d'accès à l'eau potable, au terme du premier semestre de l'année 2020, il a été enregistré les principaux résultats ci-après. 3 115 pompes à motricité humaine, en abrégé PMH, ont été réparées au premier semestre 2020, portant à 4 725 le nombre total de PMH réparés de janvier 2019 à juin 2020, sur une prévision globale actualisée de 4 800 PMH, soit 98,4% de taux d'exécution. 1520 PMH ont été remplacés au premier semestre 2020, soit 2525 PMH remplacés en cumul de janvier 2019 à juin 2020, sur une prévision de 2551 PMH, soit 99% de taux d'exécution. 5250 PMH ont fait l'objet de maintenance au premier semestre 2020 pour une prévision actualisée de 6 000 PMH, soit 87,5% de taux d'exécution. Le nombre total des PMH fait l'objet de maintenance de janvier 2019 à fin juin 2020 est de 8 434. Rappelons que ce sont 2 665 pompes à motricité humaine, PMH, qui ont été réparés ou remplacés
à fin décembre 2019. En dehors du PSGO, d'autres activités importantes ont été également réalisées à fin juin 2020 dans le cadre de l'adduction en eau potable. Il s'agit notamment du renforcement de la production des villes, de Tiassalé, de Korogo, de Ferke, des localités environnantes, de l'alimentation en eau potable des régions du Go et de la Maraoué, du renforcement de la production d'eau potable d'Abidjan à partir du champ captant de Riviera Sipim et de l'optimisation de la desserte d'eau potable de Cocody Nord avec l'apport du projet Saint-Viateur C2D. En outre, il a été réalisé au premier semestre 2020 le nouveau château d'eau d'Anyama, le nouveau château d'eau de Boussoukro en Doussi dans le département de Tiassalé, la transformation de l'hydraulique villageoise améliorée en hydraulique humaine urbaine de Bédiékro et de Kongoti dans le département de Daoukro, l'adduction en eau potable au profit de la localité de Sakiaré dans le district autonome de Yamsoukro. Et il a été également procédé en juin 2020 au lancement de deux projets structurants portant sur la construction de plateformes en béton armé couverte, de transport et de pose de 40 unités compactes de traitement d'eau potable et le renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Boaké à partir du lac Kossou à Béomi. Relativement à l'entretien routier, l'année 2020 a vu l'achèvement de plusieurs projets routiers, notamment l'aménagement et le bitumage de la route d'Anané frontière de Guinée, 47 km, de la route Bouna-Doropo frontière Burkina, 91 km, et de la route Odiené-Béléban frontière de Guinée, 72 km. De même, les travaux sont en cours en ce qui concerne le renforcement de la route Boaké, Katiola, Niakara, Ferke sur financement C2D. Pour les sections Boaké-Kanaworo, 124,7 km et Kanaworo-Ferke, 95,2 km. Le projet devrait normalement s'achever d'ici fin 2020. Enfin, le gouvernement a achevé la construction de deux nouveaux ponts, celui de Douagé dans le Tonkoui et à Kourou-Koro dans le Ouro-Dougou au premier semestre 2020, ainsi que 25 le nombre de ponts et d'échangeurs construits depuis 2011. Notons que le programme d'entretien routier a permis de reprofiler 19 170 km de pistes rurales en cumul de janvier 2019 à fin juin 2020, correspondant à 1389 itinéraires. Concernant la maladie, concernant la couverture maladie universelle, depuis le démarrage de sa phase active le 1er octobre 2019, la couverture maladie universelle CMU a enregistré les principaux résultats ci-après. 2 421 338 personnes ont été enrôlées en cumul à fin juin 2020, dont 555 729 au premier semestre 2020 pour un nombre total de bénéficiaires de 2 979 469. 1 781 494 cartes ont été produites depuis le démarrage de la phase active de la CMU, y compris la production de 232 672 cartes au premier semestre 2020. 102 231 personnes ont bénéficié des prestations de la CMU dans le cadre de 174 165 consultations effectuées d'octobre 2019 à fin 2020, dont 79 063 au premier semestre 2020. Le taux de disponibilité globale des médicaments est aujourd'hui de 85%. Au titre du programme des filets sociaux, le programme des filets sociaux productifs a permis de soutenir 127 000 ménages en 2019, répartis dans 21 régions et 100 000 et 1547 villages à travers des transferts monétaires de 144 000 francs CFA par an, de même que des accompagnements dans le cadre de la mise en place
des activités génératrices de revenus. Pour rappel, l'objectif de départ de 35 000 ménages en 2018 a été porté à 50 000 à partir du, à partir du second semestre 2019 et a atteint 127 000 ménages à fin 2019 répartis dans 1534 villages et 21 régions. Les dispositifs sont en cours afin de prendre en charge 100 000 nouveaux ménages au titre des bénéficiaires pour atteindre 227 000 ménages en 2020, en veillant à prendre en compte les régions du pays non encore couvertes au cours du dernier trimestre 2020. À ce jour, le paiement des allocations aux filets sociaux s'effectue conformément aux prévisions engendrées. En ce qui concerne la gratuité ciblée, au cours du premier semestre de l'année 2020, les réalisations enregistrées dans le cadre de ce projet se présentent comme suit. Accouchement. 271 868 accouchements ont été enregistrés dans les services sanitaires. 121 685 kits d'accouchement ont été gratuitement mis à disposition des populations. Au chapitre des césariennes, 14 028 cas de césariennes ont été enregistrés dans les établissements publics. 15 358 kits de césariennes ont été gratuitement mis à disposition des établissements de santé de janvier à juin 2020. 5 515 kits d'anesthésie générale thiopentale et 9 525 kits de rachianesthésie nécessaires dans le cadre des césariennes ont été mis à disposition des établissements sanitaires. Au niveau du paludisme, 1 875 174 cas de paludisme simple et 37 201 cas de paludisme grave confirmés ont été diagnostiqués. 1 895 337 patients ont été gracieusement pris en charge dans le cadre de leur traitement grâce à 739 284 divers produits mis à disposition. Au titre du programme élargi de vaccination, le programme élargi de vaccination a été initié afin de renforcer le système de vaccination et protéger les populations contre les épidémies. Ce programme d'ailleurs a permis d'enregistrer au titre du premier semestre 2020 les résultats suivants. 346 301 enfants de 0 à 11 mois ont été vaccinés au titre de la troisième dose de vaccin pentavalent, Penta 3, soit 80% de taux de couverture. 338 710 enfants de 0 à 11 ans ont été vaccinés contre la rougeole rubéole, soit 78% de taux de couverture. 106 087 filles de 9 ans ont été vaccinées pour la première dose du vaccin anti-HPV pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus, soit 41% de taux de couverture. 444 975 femmes enceintes ont été vaccinées contre le tétanos, soit 73% de taux de couverture. Les taux de couverture vaccinale sont légèrement en baisse par rapport à fin décembre 2019 en lien avec la réticence que la COVID-19 avait induit chez les populations. En ce qui concerne maintenant la mise en place des infrastructures sanitaires, en dehors du volet santé du PSGOV, il a été enregistré au premier semestre 2020 d'importantes avancées en faveur des autres projets d'ordre sanitaire. En effet, les travaux se sont poursuivis pour la construction de 4 centres hospitaliers CHR et 4 hôpitaux avec spécialité, 4 hôpitaux généraux et la création de services neufs dans 5 hôpitaux, ceux de Séguéla, Bouna, Toumodi, Daokro et Abengourou, avec des taux de réalisation allant jusqu'à près de 50% pour certaines infrastructures. Dans la même veine, les travaux de construction pour l'ouverture de l'agence de Boaké de la nouvelle pharmacie de la santé publique ont atteint un taux de réalisation de 97%. Au titre des réhabilitations,
le CHR de Daloa et les hôpitaux généraux d'Adjamé, de Grand Bassam et de Yopougon-Atié enregistrent des taux de réalisation respectifs de 62,5%, 62%, 80 et 42%. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les travaux sont en cours afin d'accroître les capacités de prise en charge en milieu hospitalier à Abidjan, en l'occurrence à HMA et à l'hôpital général d'Anyama, avec 155 lits supplémentaires, de même qu'à l'intérieur du pays, à Bengourou, à Boisso, Bouna, Boaké, Daloa, Odiené, Mans, San Pedro, Korogo, Gagnoa et Bandoukou, avec 406 lits supplémentaires. Ces dispositions visent à prendre en charge aussi bien les cas d'hospitalisation que de réanimation. En plus, des lits disponibles en milieu non hospitalier, je parle ici de Vitib, Hôtel Ibis et le Parc des Sports, les centres COVID-19 du service des maladies infectieuses et tropicales, du CHU de Yopougon et du CHU de Cocody sont fonctionnels aujourd'hui avec 215 lits, dont 169 en hospitalisation et 46 en réanimation. Au titre du programme de latrinisation, pour l'année 2020, ce programme a permis d'obtenir les résultats ci-après. Latrinisation scolaire. Il a été procédé à la réalisation de 528 latrines dans les écoles au premier semestre 2020, portant à 1164 le nombre total de latrines installées. Latrines construites par les populations dans les villages. Au cours du premier semestre 2020, les populations ont construit 4210 latrines suite aux campagnes de sensibilisation organisées par le gouvernement. Ce nombre porte le cumul de latrines construites par les villageois à fin 2020 à 4832. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation ont été menées pour la construction des latrines dans les villages sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce cadre, 1097 kits d'assainissement ont été distribués aux préfets, sous-préfets, guides religieux, aux populations et aux écoles en milieu rural. Notons qu'en 2019, ce programme a permis la construction de 636 latrines dans des écoles en milieu rural. Maintenant, relativement à la construction des logements sociaux. Pour l'année 2020, le programme de construction des logements sociaux vise à procéder à la purge des droits coutumiers sur tous les sites, rendre habitables les logements implantés sur les sites de Bassam et Songon, avec l'achèvement des travaux de VRD primaire et réaliser la réforme institutionnelle du secteur du logement. Au titre du premier semestre de l'année 2020, l'état d'exécution des travaux se résume comme suit. Bengerville, 493 logements ont été achevés sur les 875 bâtiments implantés et devraient être livrés à fin septembre 2020. Les travaux résiduels sur le site se poursuivent notamment au titre des VRD. Yopougon, dans la cité dénommée Ado, 90 logements sont habitables et 422 appartements font l'objet de travaux de ravalement de façade et de finition en vue de leur livraison en septembre 2020. Grand Bassam, 1039 logements sont achevés et 1021 logements font l'objet de travaux. Les actions liées au VRD devraient s'achever d'ici fin 2020. Songon, 917 logements sont achevés et 2647 logements font l'objet de travaux. Les travaux sont en cours au niveau des VRD et devraient s'achever à fin 2020, à l'exception des stations d'épuration. Concernant l'emploi, ce chapitre constitue l'une des composantes majeures du PSGO. L'année 2020, malgré le contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19 qui a bouleversé l'activité des entreprises et des opportunités ont été créées pour les jeunes malgré tout. En effet, au titre de l'entrepreneuriat, il a été procédé au financement de projets structurants au bénéfice de 750 jeunes
à travers 150 entreprises formelles à raison de 5 emplois créés par entreprise dans le négoce de la Dakar. Au titre du développement des compétences, 1082 jeunes ont été mis en formation, soit 200 en apprentissage et 882 en chantier école. Au titre des mises en stage, 613 jeunes ont été mis en stage d'insertion dans des entreprises et 539 jeunes ont été placés en stage de qualification et 500 jeunes ont bénéficié de stage école ou de validation de diplôme. Au titre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, 1500 jeunes ont été mis en activité. Concernant l'autonomisation des jeunes et des femmes, pour l'année 2020, les activités d'autonomisation se sont poursuivies notamment à travers l'accompagnement au titre des activités génératrices de revenus AGR. À fin juin 2020, les principaux résultats obtenus sont déclinés ci-après. 18 435 filles et adolescents élèves ont bénéficié d'au moins une intervention dans les espaces surscolaires. 18 293 femmes et adolescents déscolarisés et non scolarisés ont bénéficié d'au moins une intervention dans les espaces surcommunautaires. Et 2 235 personnes avec 1 004 nouvelles bénéficiaires pour la période du second semestre 2020 ont bénéficié de subventions au titre des activités génératrices de revenus AGR pour un montant total de 120 445 585 francs CFA depuis le démarrage de l'activité. Notons que ce projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, SWED, a permis d'accompagner des milliers de jeunes filles en 2019 dans le cadre de leur autonomisation, notamment pour la mise en place d'activités génératrices de revenus, avec 2141 filles formées en notion entrepreneuriale, 775 filles bénéficiaires au titre des AGR. Mesdames et messieurs, au terme de l'exécution du premier semestre 2020, un semestre qui a été fortement marqué par la crise sanitaire liée à la COVID-19, le gouvernement se félicite des résultats obtenus, lesquels démontrent notre détermination à faire de notre pays un exemple de réussite. Au regard de toutes ces réalisations, nous pouvons affirmer que ce projet porté par différents ministères sous la supervision du Premier ministre Ahmed Bakayoko est indéniablement un outil efficace qui nous permet d'apporter des réponses concrètes aux problématiques majeures vécues par nos populations. Comme vous pouvez le constater, en dépit de l'actualité fortement marquée par le contexte électoral, le gouvernement reste à la tâche. C'est le lieu pour moi d'inviter l'ensemble des acteurs politiques et surtout les différents candidats retenus ou non par le Conseil constitutionnel à promouvoir la paix, la tolérance et la non-violence afin de garantir la poursuite de ces actions de développement en faveur de toutes et de tous. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos liminaire tout en vous remerciant de votre aimable attention. Ovationné, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre. Merci à Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse. Nous allons vous donner la parole pour vos différentes questions. Alors vous levez la main, je vous donnerai la parole, vous prendrez donc la parole, vous dites votre nom, votre organe, et puis vous posez votre question. Allez-y. Oui. Je ne suis pas prêt à le appareil. Le premier ministre a appelé les candidats locaux à promouvoir la paix. La Cour africaine. La Cour africaine, les droits de l'homme des peuples, invite le gouvernement ivoirien à lever tous les obstacles afin que les gens pourront participer à l'élection de la
qu'on a vu dans le quotidien l'expression. Monsieur le ministre, vu le fait que beaucoup de médias ont repris l'information de la Banque mondiale qui était la Côte d'Ivoire comme le pays le plus riche de toute l'Afrique de l'Ouest, et vous venez de donner des résultats très satisfaisants du CFO. Est-ce qu'il y a un lien entre ces informations que vous venez de donner? Est-ce qu'au terme de toutes ces réformes qui ont été engagées par le gouvernement ivoirien, on peut se féliciter de dire que c'est le fruit qui a donné ce bon point à la fois pour votre pays le plus riche de toute l'Afrique de l'Ouest? Merci. Merci beaucoup. Je pense que pour commencer à répondre à mon frère de l'expression, il faut le rapport de la Banque mondiale que nous qualifions, que nous accueillons avec beaucoup de plaisir parce que depuis 2011, le gouvernement, à l'initiative du président Alassane Ouattara, ne ménage aucun effort pour pouvoir apporter le bien-être, le développement aux différentes populations. Je vous rappelle que l'un des mots phares utilisés alors, c'était l'émergence. Et l'émergence pouvant être interprétée différemment, mais du point de vue des chiffres, de l'appréciation des institutions internationales, c'est ce qui en est aujourd'hui la démonstration à travers le rapport de la Banque mondiale. J'aimerais juste à titre indicatif vous rappeler certains points de performance. Rien que le taux de pauvreté. En 2011, le taux de pauvreté était stabilisé à 55%, alors qu'avant 2011, précisément en 1985, si ma mémoire est bonne, le taux de pauvreté s'établissait aux alentours de 10%. Jusqu'en 2011, on était à 55%. Et avec la venue du président de la République, ses initiatives fortes pour le bénéfice des populations, une évaluation faite pour l'année 2018 établissait en chute le taux de pauvreté à 39%. Nous sommes certains qu'une évaluation nouvelle faite pour l'année 2020 pourrait nous situer encore plus en dessous de ces 39%. Donc c'est la première fois que la Côte d'Ivoire connaît la chute du taux de pauvreté tel que observé à ce jour. J'aimerais aussi vous rappeler les performances de l'action du président Ouattara à travers le taux de couverture en termes d'électricité qui aujourd'hui frôle les 80% pour l'essentiel, partant aux alentours de 33% quand il arrivait. Ceci est une performance remarquable. Je pourrais citer plein d'autres exemples en matière d'eau, disponibilité de l'eau aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, malgré quelques problèmes en termes de distribution. La disponibilité de l'eau est de moins en moins un problème au niveau national. Je pourrais citer plein d'autres aspects, la revalorisation du traitement salarial des fonctionnaires, en commençant par le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, qui est passé de 30 000 à pratiquement 60 000, ainsi de suite. Donc, ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, ces résultats sont le fruit d'un travail acharné pour apporter la solidarité de tous aux populations les plus défavorisées, mais surtout se rassurer du partage des fruits de la croissance, croissance qui s'est établie dès la venue du président de la République en 2011 de moins 5,8% jusqu'à 8% permanemment durant les années de gouvernance depuis 2012 jusqu'à ce jour. Il n'y a effectivement que la COVID-19 qui pour la première fois a fait infléchir cette courbe de croissance continue de près de 8% annuel qui pourrait faire que le taux de croissance en Côte d'Ivoire va s'établir certainement d'ici la fin de l'année aux alentours de 2%. Qui d'ailleurs n'est pas un chiffre négligeable parce que beaucoup de pays européens aujourd'hui cherchent à avoir même un taux de croissance d'environ 1% et c'est souvent très fastidieux. Donc, il n'y a pas de magie en la matière.
vous avez un engagement personnel pour apporter de la différence, une valeur ajoutée dans le vécu des populations ivoiriennes à travers les infrastructures, à travers les éléments sanitaires, à travers l'école qui est gratuite aujourd'hui jusqu'à l'âge de 16 ans, l'implantation des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Il y a le PSGOV qui est un pan accéléré du programme national du gouvernement, mais il y a aussi le PND. Donc, juste à titre de rappel, donc nous avons eu à la sortie de crise le PND 2012-2015 qui a permis d'adresser les problématiques de sortie des crises militaires, etc., de structuration, de reprise en main de l'économie. Et vous avez le PND 2016-2020 qui a permis d'accélérer les investissements et atteindre un niveau de croissance assez élevé. Le PSGO, lui, s'emboîte pour amener et surtout partager les fruits de croissance aux populations les plus vulnérables, la solidarité du gouvernement à l'attention des populations les plus éloignées du développement. Donc, ce sont les éléments consensuels qui nous amènent aujourd'hui à obtenir cette appréciation et ce classement dans tous les différents indicateurs nationaux. Et nous nous en félicitons. Et je peux vous rassurer d'une chose, c'est que le gouvernement n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin, parce que quand on est au bord du paradis, on cherche à rentrer dans le paradis. Donc, je pense que nous allons y arriver et nous allons faire le pas qualitatif avec le président Alassane Ouattara. La première question est celle de APA News relativement à une interpellation de la Cour africaine de développement, Cour africaine de justice, c'est ça, hein? Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît. Allez-y. La Cour africaine de développement est faite. Donc, le gouvernement ivoirien a fait des obstacles afin que M. John Soro puisse se présenter à l'élection présidentielle du champion en octobre 2020. Alors, quelle est la réaction du gouvernement? Le gouvernement n'a pas de réaction sur les décisions judiciaires. Je pense que nous ne nous sentons pas concernés par cette question. Nous l'avons suffisamment affirmé au cours d'une intervention précédente, une déclaration précédente. Cela dit, et il faut aussi relever que l'instance judiciaire que nous reconnaissons, ici, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, il faut éviter de penser que c'est tout l'extérieur qui doit nous imposer le rythme de fonctionnement de nos différentes institutions. Autre et dernière observation sur le sujet, c'est juste une observation que je mets sur le conditionnel parce qu'il reste tout de même de plus en plus avéré, mais c'est quelque chose à vérifier, que le président de cette cour est partie prenante dans le conseil qui a apporté une requête contre la candidature du président candidat Alassane Ouattara dans le cadre d'une procédure portée par Guillaume Soro. Donc, c'est dans le cadre d'une entreprise, je crois que c'est SCI, SPAC, aurait quelque chose. On peut vérifier cela. Et donc, c'est assez surprenant quand même que le président de cette cour, qui est bien respecté, soit partie prenante dans une procédure judiciaire contre un candidat dans le cadre du conseil juridique de M. Guillaume Soro. Donc, peut-être que ceci explique cela. Bon, nous ne faisons pas de jugement de valeur. Chacun saura faire son appréciation personnelle. Merci, M. le ministre. Nous allons prendre une dernière série de trois questions liées à la journaliste derrière. Bonjour, M. le ministre. Je suis Eric Carré, LCI. Nous avons obtenu une série de taux de réalisation sectorielle du programme PNSGO. Est-ce que vos services disposaient d'un taux global de réalisation de ce programme social du gouvernement? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, merci beaucoup. Le plan social du gouvernement a été programmé pour être exécuté sur la période 2019-2020. Et nous sommes pratiquement au terme de l'année 2020. Et n'eût été, je peux le dire ainsi, les effets de la COVID-19, nous serions pratiquement à 100% de taux d'exécution, en tout cas dans cette trame, dans ce train pour pouvoir arriver à la fin de l'année à 100% d'exécution. Je pense que, sans trop me tromper, nous devrions être aux alentours de 80% de taux d'exécution, mais ce sont des éléments que nous allons peut-être apprécier avec les différents services de la primature, sauf si la conseillère en charge peut nous faire un commentaire. On n'a pas, l'espèce n'est pas, voilà. Donc, nous devons aux alentours de 80% de taux d'exécution, tout programme confondu, mais ralentissement dû à la COVID-19. Si les experts veulent réagir sur les points qui ont été évoqués, vous avez la capacité de prendre la parole. Vous voulez réagir? C'est bon, d'accord. D'autres questions, mesdames et messieurs? Alors, merci, monsieur le ministre, il n'y a pas de questions. Nous allons vous passer donc la parole pour votre frère. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Comme je l'ai dit, à la suite de mon propos liminaire, nous avons la Côte d'Ivoire connaît des moments assez délicats, principalement la COVID-19, mais aussi une période électorale assez mouvementée. Et les instructions du président de la République au Premier ministre au Premier ministre Ahmed Bakayoko ont été de garantir l'exécution des missions sectorielles des différents départements ministériels sans fléchir, ne pas se laisser emporter par cette ambiance politique. Parce que la mission d'un département ministériel du gouvernement, c'est de continuer à apporter une valeur ajoutée au vécu des différentes populations, la solidarité, apporter le développement, à répondre aux attentes des uns et des autres. Et le gouvernement continue à être évalué sur ces différents indicateurs et il n'y a pas de compromis à cela, nonobstant l'ambiance électoraliste qui prévaut aujourd'hui. Donc nous sommes à la tâche, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est à la tâche et les différents ministres sectoriels sont à la tâche. Donc, j'aimerais rassurer les populations qu'il n'y aura pas de réfléchissement dans cet engagement en permanence à l'attention des différentes populations. Cela dit, j'ai aussi insisté sur le fait qu'il était important que les différentes personnalités engagées, en tout cas pour celles qui ont été retenues et leurs différents états-majors, engagées dans cette tendance ou cette campagne à venir, il est important que ces différents états-majors apportent ou fassent des propositions, une offre politique, une offre de gouvernance qui permettrait aux populations d'être éclairées dans leur choix définitif. Parce que c'est aussi ça la démocratie, faire une offre et être choisi sur la base de cette offre pour amener le curseur d'un niveau à un autre niveau. Je vous ai parlé des différents indicateurs tel que cela s'affichait en 2011, lorsque le président Alassane Ouattara arrivait. Je vous ai donné le niveau auquel il a placé les différents curseurs. Ce serait incompréhensible que dans les années à venir, au lieu de continuer à améliorer ces différents indicateurs, nous nous retrouvions dans un schéma où ces indicateurs se dégradent. Ceci ne serait pas du tout acceptable. L'ambition des politiques ou des programmes politiques est d'apporter un mieux-être aux populations. Donc, légitimement, les populations sont en droit d'attendre une offre politique qui leur permet, ou de gouvernance qui leur permet d'apprécier au mieux ce que chacun peut lui apporter dans son village, d'abord au niveau de sa famille, dans son village, dans sa région, et aussi dans la consolidation de la nation que nous sommes en train de construire. Donc, c'est un message fort que le gouvernement voudrait lancer aux uns aux autres,
et les inviter à préserver le climat de paix qui doit prévaloir, parce que nonobstant tout, nous n'avons qu'une seule Côte d'Ivoire et la responsabilité politique engage les uns les autres à préserver l'essentiel, c'est la paix, pour que le développement puisse continuer. Et aucun développement n'est possible tant que nous sommes dans les perturbations. Donc voici un peu le message que j'aimerais passer pour conclure, tout en vous remerciant les différents experts, remerciant les ministres qui les ont mandatés, mais aussi remercier surtout vous, chers amis de la presse, et que Dieu vous garde. Merci encore.